sont combien? Une bonne vingtaine, je crois. Une bonne vingtaine. On a testé tout le matos, c'est bon? Ouais, je vois. Ouais. Ce qui ne marchait pas la dernière fois. Moi, c'est bon. Et bienvenue pour ces deux jours de formation sur l'action éducative et les valeurs républicaines. Alors, deux jours de formation. Première journée, nous allons parler de laïcité. Hein, ce sera une journée entièrement dédiée à la laïcité. Et demain, on parlera de lutte contre les discriminations. Alors, côté logistique, il y aura deux pauses. Une pause le matin et une pause l'après-midi hein, pour les fumeurs ou ceux qui veulent aller prendre l'air. Voilà. On vous précise également qu'il y a du café. Ça peut servir. N'hésitez pas. Je crois que le matériel est ailleurs, mais enfin voilà, on a du café. Voilà, on va parler de laïcité, on va parler de principes républicains, on va parler de république. Voilà, donc si vous avez besoin à un moment donné de boire un petit coup, vous pouvez encore partir. Ouais, merci, bravo d'ailleurs, enfin chapeau d'être là, quoi. Parce que c'est pas simple forcément de parler de tout ça. Et comme c'est des sujets un peu tendus, peut-être vous l'aurez remarqué en ce moment, quand on parle de laïcité, ça crispe un peu. On vous demande voilà, toute votre bienveillance, on va essayer de parler de ça dans une ambiance conviviale, sympathique. Voilà, on n'est pas tendu, nous, ça va. Je crois qu'on a tout dit. Alors ça... c'est à peu près ce qu'on dit toutes les semaines, Juliette et moi, aux stagiaires qu'on reçoit, puisque nous sommes formatrices dans une fédération d'éducation populaire, formatrice laïcité. Et donc on donne des formations à plusieurs publics, mais principalement à un public, qui est le public périscolaire, avec les personnes qui travaillent dans le périscolaire. Et ces personnes sont obligées de suivre deux jours de formation. Donc c'est deux jours de formation. Alors, autant vous dire que les personnes arrivent plutôt à reculer, puisque deux jours, on va parler de principes républicains, on les comprend, hein, c'est pas très simple. Surtout que c'est voilà, de 9h à 17h, enfin, c'est une amplitude horaire assez incroyable. En plus, c'est des personnes qui souvent ont des enfants à charge, enfin, c'est très compliqué. Donc, on essaye voilà, de rendre la chose un peu plus fluide. Ouais. Et c'est obligatoire pour eux, en plus, cette formation. Donc, formation obligatoire pour des personnes qui ont des boulots qui ne sont pas très valorisés, voire même précaires, sur la laïcité et les principes républicains. Voilà, ça peut générer une petite agressivité de bon matin, qu'on a essayé de gérer tant bien que mal pendant ces 3 ans à peu près, en fait, 3 années qu'on fait ça. Alors, pourquoi une conférence gesticulée sur ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, comme on vous disait tout à l'heure, la laïcité, ça génère... Enfin, la question de la laïcité génère des émotions assez fortes quand on en parle, assez négatives la plupart du temps, qu'il y avait un certain nombre d'idées reçues ou d'idées fausses associées à la laïcité, que c'est omniprésent dans le débat public, politique, médiatique. Et en fait, on s'est un peu prise de passion pour ce sujet. C'est un peu ça qu'on va partager avec vous ce soir. Ce qu'on a compris, en fait, de la laïcité, ce qu'on a compris de ces formations, à qui elles s'adressent, à qui elles servent, quelle est l'idéologie, en fait, un peu derrière, derrière la laïcité et derrière le fait qu'on va former les gens à la laïcité, mais pas tout le monde, enfin, certaines personnes qui n'auraient pas bien compris ce que c'est que la laïcité. Voilà, pour le programme, ça vous va? Et aussi un peu notre conscientisation, ou en tout cas notre politisation. Parce que depuis qu'on fait ces formations, on se politise de plus en plus, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet objet en fait, d'éducation populaire qui est la conférence gesticulée, pour partager avec vous ce qu'on pense avoir compris de toute cette histoire. En fait. Voilà. En 1h30, pas toute cette histoire, mais un petit peu.
Alors, pour vous donner un petit peu à voir ce qu'on fait en formation, en début de formation, on fait ce qu'on appelle des présentations croisées. Alors, c'est très très simple, les présentations croisées. On demande aux personnes de se mettre par binôme ou trinôme. On leur laisse un petit temps pour discuter entre elles. Et ensuite, la personne présente son ou sa binôme au reste du groupe. Donc, on va faire ça là pour se présenter rapidement. Quand on le fait, en général, on utilise des petits outils du POP, donc on le fait avec, par exemple, des petites étiquettes, c'est-à-dire que les personnes reçoivent chacune au hasard un nom et un prénom, donc de personnes célèbres et qui ont un lien avec l'histoire de la laïcité, et en fait, elles doivent retrouver leur binôme. Donc, par exemple, si Elsie tire l'étiquette Louise et que moi j'ai l'étiquette Michel, eh bien on est un binôme. Ça marche avec Jean-Jacques et Goldman. Voilà. Alors, si je devais présenter Elsie, je dirais que, en fait, Elsie, si on lui avait demandé ce qu'elle voulait faire quand elle était petite, elle aurait probablement répondu Louise Michel ou Sainte-Thérèse de Lisieux. Je comprendrai plus tard pourquoi. Elsie, elle aime plein de choses. Elle aime les animaux, elle aime les oiseaux. Elle aime particulièrement les pigeons, parce qu'elle dit que c'est un peu comme les prolétaires des oiseaux, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout, ils sont prisonniers, voilà. Alors que, elle a étudié les pigeons, quoi, vraiment, elle est passionnée des pigeons. Elle adore les chiens aussi. Elsie, elle adore la bière. Alors, pas forcément celle-ci, mais bon, on bosse dans la du pub, donc on n'a pas un revenu exceptionnel, donc quand on va boire du coup, en général, on prend de la 16, quoi. Voilà. On va beaucoup boire des coups avec Elsie, donc ça nous a rapproché la bière en fait. Et elle est passionnée de bière, elle m'a appris énormément de choses sur la bière. Sa bière préférée, c'est la rousse. Et Elsie rousse, par ailleurs. Voilà, elle a fait en sorte que, évidemment je ne serais pas là sans elle aujourd'hui, et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué à ma politisation, à ma conscientisation, notamment féministe. Parce que si on en parlera. D'ailleurs, Elsie, elle est sans concession sur le féminisme et sur le militantisme de manière générale. Par ailleurs, Elsie déteste les voitures. Alors, Juliette, ma compagnonne de lutte, effectivement, sans elle, je ne serais pas du tout là ici. Donc, je l'ai rencontrée au travail et c'est devenu une très grande amie. C'est une féministe radicale qui ne lâche rien, vraiment, et ça, je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup appris l'empathie aussi, ça, c'est une personne très empathique, et je pense que c'est hyper important aussi dans le militantisme, l'empathie. Sauf que parfois, du coup, son corps, il prend un peu cher, et si je devais la résumer en un objet, ce serait celui-ci, le baume du tigre. Alors d'ailleurs, si on en met pendant la conférence, hein, on est désolée, c'est pour un petit peu tendu, c'est vrai, ça finit bien. Alors, on va rapidement vous expliquer un peu, pour que ce soit le plus clair possible, le contexte en fait des formations qu'on donne. Qui commence ces formations, pourquoi on fait des formations en fait sur la laïcité et les principes républicains. Donc on a trouvé un schéma, beau ce qui vaut. Là, on a l'État. Donc l'État qui a tous les pouvoirs, le pouvoir idéologique et le pouvoir financier. Donc c'est lui qui dit sur quoi on va former les gens, donc dans la formation professionnelle, et notamment des fonctionnaires, donc des personnes qui travaillent pour l'État, à quoi on va les former, et c'est l'État qui va donner l'argent. Qui va donner l'argent d'abord aux collectivités, donc les mairies, les régions, les départements, etc. Et les collectivités, ce n'est pas elles qui vont former directement les agents de la fonction publique ou les salariés. En général, les collectivités font appel à des associations d'éducation populaire qui sont compétentes pour former sur ces sujets les personnels, les agents, les fonctionnaires, etc. Donc en gros, ça part de là, ça passe par là et ça arrive ici. Et pour que ça arrive ici, les collectivités, donc nous par exemple, on a travaillé pour une grande ville en France, elles vont faire ce qu'on appelle des appels à projets, des marchés, elles vont diffuser des offres de marché, et les associations
vont se mettre en fait en concurrence, en gros, et vont proposer des contenus de formation pour remporter le marché ou remporter l'appel à projet et pouvoir avoir les sous pour mettre en place ces formations. Est-ce que ça va? Donc, c'est ce qui s'est passé pour nous. Donc, l'État, les collectivités, les assos, et nous, on est là. Voilà, des petits grains. Donc, on aime penser ça comme un peu un rouage, parce que finalement, tout le monde participe, même si l'État est au-dessus. C'est-à-dire que sans l'État, ces formations n'existeraient pas. On aime bien effectivement penser comme des petits grains de sel ou des petits grains de sable dans les rouages, quand on veut. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être, qui se sent un peu perdu sur la laïcité? Qui se questionne au moins sur la laïcité? N'hésitez pas, il y a pas peur, on est la paix, qui doit être neutre, ou quand, comment, qui est mince, vous voulez, ok, super, voilà. Pourtant, vous allez voir, c'est pas compliqué. On a longuement réfléchi à une manière de parler quand même un peu de la laïcité pendant cette conférence gesticulée, histoire que les personnes qui viennent nous voir ne ressortent pas en étant encore plus paumées que ce qu'elles étaient en arrivant, si elles étaient paumées. Et de le faire de façon pas trop chiante, quoi. Voilà. Donc du coup, on a pensé à quelque chose, parce qu'avec Elsie, on n'a pas grandi ensemble, mais on a des références communes. Et notamment une, donc je ne sais pas si ça va vous parler, quand on était petites, on regardait toutes les deux, c'est pas sorcier. Fred et Jamie. Et moi, Jamie. C'est comme ça que j'ai appris comment on fabriquait la bière, d'ailleurs. Exact, et elle m'a envoyé le c'est pas sorcier sur la bière. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit laïcité en 3 minutes, façon Fred et Jamie. Voilà, donc si toutefois il y a encore des questions qui restent en suspens, je vous propose qu'on en parle au bar après. Devant une bière. Marcel. Lumière. Mais dis-moi, si notre constitution de la Ve République nous dit que la France est laïque. Ça veut dire quoi exactement? Question Juliette. En France, depuis 1905, l'État et les Églises sont séparés. C'est la loi de séparation des Églises et de l'État. Ce qui implique que l'État n'a pas son mot à dire sur les pratiques religieuses et que les religions n'ont pas à avoir un pouvoir décisionnel sur les décisions politiques. Et c'est en 1946 que la notion de laïque est rentrée dans la Constitution. Pas mal. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'État n'a pas à dire si telle ou telle pratique ou tel comportement religieux est bien ou pas, ni même à dire ce qu'est une religion ou pas. Et ça, c'est bien, parce qu'avant, pendant des siècles, l'Église catholique a dominé la France et c'était compliqué de ne pas être de cette religion. On était persécutés en général. Exactement. D'ailleurs, la loi de 1905 énonce la liberté de conscience et de culte, ce qui veut dire que l'État n'a pas son mot à dire sur les pratiques religieuses de ses citoyens et citoyennes. Et si les pratiques religieuses troublent l'ordre public, c'est seulement pour cette raison que l'État intervient. Yes. C'est exactement ce que dit les articles 1 et 2 de la loi de 1905. Parce que quand on parle de laïcité, en fait, on renvoie surtout à la loi de 1905. Donc, le premier article nous dit que la République assure la liberté de conscience et qu'elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et l'article 2 nous dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte ». Ce ne sera pas des églises, là, des fois, je dis seront supprimés des budgets de l'État, donc toutes les dépenses relatives au culte. Sauf quelques exceptions, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça veut dire quoi exactement?
Cet article 2 veut dire que l'État est neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas une religion comme supérieure à une autre, ni symboliquement, ni économiquement, même s'il y a plein de dérogations. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ce sont les institutions qui sont neutres, et non pas les personnes. Voilà, donc là, on forme cette question de la neutralité. Ça a été un peu le point de départ aussi de la conférence, enfin de comment on a pensé la conférence gesticulée, parce qu'en fait, on a fait le constat, toutes les deux, qu'à chaque fois qu'on parlait de laïcité, soit dans les formations, ou même dans nos cadres privés, le truc qui ressortait souvent, c'était la neutralité. Quand on demandait aux personnes, c'est quoi pour vous la laïcité, c'était, bah, c'est d'être neutre, il ne faut pas montrer sa religion, il y avait la question de l'espace public, ostensible, enfin il y avait un peu plein de notions comme ça qui se mélangeaient. Et en fait, on a réalisé que c'était ça en fait qui générait beaucoup de crispations. Ce qui s'est passé, c'est que à la base, la loi de 1905, elle a fait en sorte que les structures de l'État soient neutres, c'est-à-dire l'État, il dit, on ne regarde plus en quoi vous croyez en ce que vous voulez, c'est un principe de non-discrimination, ça veut dire que vous avez le même accès à tout ce que l'État propose, et on ne vous jugera pas, on ne dira pas que vous, c'est pas bien, vous n'êtes pas catholique, etc. Enfin, voilà, c'était ça à la base. Et en fait, depuis les années 80, cette neutralité, elle est passée des structures de l'État aux individus. Déjà en 1983, au moment où il y a eu la refonte de la fonction publique, et ben, les fonctionnaires ont dû être neutres à ce moment-là. Donc déjà des personnes, donc de ne plus parler de religion, politique, etc. sur leur lieu de travail. Et puis après, bah, il y a eu 2004, avec la loi sur les signes ostensibles à l'école. Donc on ne demande pas vraiment aux enfants ou aux jeunes qui vont à l'école d'être neutres, mais on leur demande d'être discrets. Bon. Et là, en fait, depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a plein de lois, de circulaires, ou de décrets, ou d'arrêtés, etc. qui sont votés, qui parfois même sont jugés illégaux après coup, et qui en fait visent à normer les comportements des gens, mais pas de tout le monde, de certaines personnes. Et notamment du coup de personnes qui sont musulmanes ou perçues comme telles, et notamment de femmes qui portent le voile. Et ça on en reparlera aussi un peu plus tard. Mais c'est en fait du fait de ce constat qu'on s'est dit qu'il y avait un truc qui avait un petit peu changé dans la laïcité. Alors effectivement, la neutralité, on en entend de plus en plus parler, et on ne sait plus trop de quoi il en retourne. Et ce qu'on voit aussi avec cette loi, et notamment la loi, par exemple, de 2010, donc, qui est une loi sécuritaire, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, parce qu'elle a un peu une double casquette. Elle va toucher les personnes qui portent la burqa, d'ailleurs parfois on l'appelle loi anti-burqa, et elle va toucher aussi les manifestants et manifestantes. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que pour l'instant, ça touche une certaine catégorie de personnes, mais qu'à terme, en fait, la catégorie trouble à l'ordre public, elle est en train de s'ouvrir, de s'étendre, et qu'il y a de plus en plus de comportements qui avant n'étaient pas considérés comme troubles à l'ordre public, et qui maintenant rentrent, en fait, dans cette catégorie. Vous savez, c'est un peu comme l'augmentation des prix de l'université pour les étudiants étrangers. Bah, ça commence par là, et en fait, au final, ça va être une privatisation totale de l'université. Ça va toucher tout le monde. Ce qu'on observe aussi sur cette question de neutralité, c'est que bah, nous, en formation, ça empêche beaucoup la pédagogie. Parce que les personnes qu'on reçoit sont donc fonctionnaires, donc sont soumis et soumises au devoir de neutralité. Nous aussi, parce qu'on est plus ou moins en lien avec l'État. Sauf qu'on est là pour parler de politique et de religion, donc c'est un petit peu compliqué. Et souvent, d'ailleurs, ça les met un peu en porte-à-faux, les personnes, parce qu'elles ont peur. C'est vraiment le terme qui revient, on a peur de parler de ça, parce qu'on nous rabâche sans cesse qu'il faut être neutre. Il y a aussi le fameux devoir de réserve, etc. Il faut même des formations hein, pour leur rappeler le devoir de neutralité, de réserve, etc. Mais c'est pas tant le pire, parce que ça, une fois qu'ils sont en confiance, on arrive à discuter. Ce qu'on a observé, en fait, c'est que même sur le terrain, ce devoir de neutralité, bah, ça empêche aussi de prendre conscience, en fait, de ces conditions de travail. Alors, nous, en formation, souvent, on a des scènes assez cocasses, où les gens nous disent « oui, mais... moi j'ai un collègue, il porte une casquette, je pense que c'est parce qu'il a une kippa en dessous. Ou alors, oui, je connais une fille, elle a une perruque, moi je pense que c'est parce qu'elle est juive orthodoxe. Oui, mais le bandeau il est un peu trop large, ou un peu trop noir, ou pas assez coloré.
Et en fait, c'est absurde et vraiment, ça leur prend énormément d'énergie et on se retrouve dans une ambiance de délation où chacun essaye de voir si un tel a porté un signe religieux, si un tel va à la messe, si un tel a un discours politique pour qui il a voté. Et que pendant ce temps-là, en fait, bah, on ne pense pas à nos conditions de travail, pendant ce temps-là, on ne pense pas à la lutte des classes, pendant ce temps-là, en fait, on se divise. C'est l'ambiance générale en ce moment à la délation, de toute façon, vous l'aurez peut-être vu ou entendu. Une des premières sessions de formation que j'ai faites en 2017, il y a une animatrice qui était venue me voir quand on parlait de neutralité, qui était venue me voir à la pause et qui m'avait dit, qui m'avait fait cette confidence parce que c'était pas censé être public, que récemment ils avaient reçu une note en interne dans son école avec un numéro et qu'ils étaient invités gentiment à taper ce numéro s'ils avaient le moindre doute sur un de leurs ou une de leurs collègues quant à leur non-neutralité. On parlait pas encore forcément de radicalisation, mais en tout cas, voilà, qui était un peu virulent, mais qui respectait pas trop cette fameuse neutralité, que ce soit pour des raisons politiques, syndicales, religieuses, etc. Bonne ambiance, quoi. Et déjà, ça l'avait inquiété. Enfin, elle était venue me voir en me disant j'ai jamais vu ça, en fait, de pouvoir, comme ça, passer un coup de fil au supérieur, et puis de balancer un collègue, c'est particulier, quoi, comme ambiance. Mais à ce moment-là, ça restait en interne, on va dire. Aujourd'hui, on a passé un autre niveau. Le numéro est public. Voilà. Et ici, on a fait l'expérience. Enfin, pas fait. Alors, on ne vous a pas dit, mais Juliette et moi, on n'a pas du tout été formées pour être formatrices. Alors, je ne sais pas si ça vous étonne ou pas. Alors, on a toutes les deux un parcours en anthropologie, puis on s'est retrouvées là un peu par hasard. Par contre, on a quand même suivi une formation qui s'appelle formation VRL, Valeurs de la République et Laïcité, VALREP pour les intimes, donc qui est une formation délivrée par l'État de 3 jours. Et avec cette formation, vous avez un kit en fait. Et donc, pendant 3 jours, on vous apprend à utiliser ce kit à peu près mot pour mot, chaque module après chaque module, etc., etc. Donc moi, je l'ai suivi il y a à peu près 2 mois. Et on m'annonce au début de ces 3 jours qu'il va y avoir une petite modification pour l'année 2020 et que le module numéro 9, traitant entre autres des droits dans l'espace public, va être modifié et il y aura en fait un autre module à la place. Bon. Et ce nouveau module se nomme « Information sur les politiques de lutte contre la radicalisation ». Donc nous sommes à une formation sur les valeurs de la République et la laïcité et on squeeze un module qui est censé traiter de la liberté dans l'espace public pour nous mettre un module quand même, lutte contre la radicalisation. Alors autant vous dire que j'étais quand même pas très contente. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'avec ce module, donc, on a un PowerPoint, on a des fiches et on doit lire mot pour mot ce que l'État a écrit. Et donc qu'est-ce qu'il a écrit entre autres? Il a écrit que ce module ne traite que de la radicalisation djihadiste. Et puis à la fin, il y a un numéro vert, et donc on va transmettre ce numéro vert aux personnes en disant « Ne vous inquiétez pas, si vous avez le moindre doute, appelez ce numéro vert, c'est anonyme pour vous. Par contre, vous pouvez donner, et vous devez donner évidemment l'identité de la personne pour qui vous appelez. » Voilà. Et je crois qu'il y a une personne qui t'a demandé pourquoi c'était que cette forme de radicalisation. Est-ce qu'il y avait d'autres formes de radicalisation? Oui, l'exemple était d'autres formes de radicalisation, mais oui. Alors je me suis dit, peut-être la radicalisation néolibérale actuelle, je ne sais pas. L'extrême gauche, évidemment. Et oui, donc faites attention. Ouais. L'extrême gauche et djihadiste, c'est les deux formes de radicalisation pardon, qui existent pour l'État. Comme disait Elsie, en fait, ces formations, de ce qu'on en a compris, c'est qu'elles visent à créer une sorte de division, en fait, entre les personnes qui bossent ensemble et qui, d'ailleurs, quand elles arrivent en formation, ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on a une formation sur la laïcité. Il y a plein de personnes qui nous disent « Mais nous, on n'a aucun problème avec la laïcité dans l'école. En fait, ça se passe super bien. Les valeurs de la République, ça se passe très bien. Si ce n'est qu'on n'a pas assez de moyens. » Si ce n'est que la réforme des rythmes scolaires, ça a pourri les enfants. Si ce n'est qu'on se sent méprisé par l'éducation nationale et parfois par les parents.
si ce n'est qu'il y a du harcèlement systématique de la hiérarchie. Enfin, en fait, est-ce qu'on pourrait parler plutôt voilà, des conditions matérielles, des conditions de travail, quoi. Et on s'est dit, mais c'est quand même dingue de se rendre compte que en fait, tout ça, c'est des stratégies qui sont assez bien rodées. Et qu'en fait, au moment du vote de la loi, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait une récurrence dans l'histoire. Au moment du vote de la loi de 1905, on a retrouvé en fait une citation de Jean Jaurès qui avait appuyé pour que cette loi soit votée et qui lui voulait qu'elle soit votée comme on vous l'a lu tout à l'heure, c'est-à-dire il parlait d'une forme d'une loi d'apaisement, dans le sens où bah, on sortait d'une guerre en fait entre catholiques et républicains, enfin, républicains de l'époque. Bah, et en fait, il disait, il faut absolument qu'on vote cette loi d'apaisement pour pouvoir parler des vrais problèmes, en fait, des vrais sujets. Il a dit, je vous cite, « Il faut une séparation donc, entre les Églises et l'État conciliatrice pour que la démocratie puisse se donner tout entière à l'œuvre immense et difficile de réforme sociale et de solidarité humaine que le prolétariat exige. » En l'occurrence, il parlait des retraites ouvrières et d'impôts sur le revenu. Et donc on a trouvé ça assez dingue en fait quand on est tombé là-dessus et qu'on a vu ce qui se passait en formation et le fait qu'en fait quand on dit aux gens soyez neutres, ça veut dire ne parlez pas politique aussi en fait. Et parlez pas politique, ça veut dire parlez pas de vos conditions d'existence, ne parlez pas de vos conditions de travail. Quand bien même vous n'avez aucun problème avec la laïcité, on va parler de la laïcité. Et ça fait partie des stratégies de l'État. C'est l'État qui fixe les termes du débat, et donc c'est l'État qui impose les problématiques de terrain. Il y a un sociologue aussi qui a parlé de ça, qui s'appelle Saïd Bouamama, qui est spécialiste des dominations. Et lui dit, en fait, tout ça, c'est une vaste stratégie. Le fait de rappeler sans cesse à la nation, aux valeurs, etc., en fait, oubliez que vous êtes ouvrier, oubliez que nous sommes bourgeois, nous ne sommes qu'un, le peuple français. Et il a dit aussi, du coup, dans cette même logique, l'État impose des débats que les classes populaires ne demandent pas. Et on trouve que vu ce qui se passe en ce moment, ça laisse sourire. Parce que, oui, dernière chose, qui est formé, en fait? Là, on vous a parlé des animateurs, animatrices. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le périscolaire. C'est des gens qui ne sont pas très bien payés. C'est des personnes qui sont souvent considérées comme faisant du récréatif et de l'animation. Et ça ne se passe pas toujours très très bien avec les instituteurs, institutrices dans les écoles. C'est des personnes qui peuvent ressentir une forme de mépris. Qui ne sont pas toujours très bien formés. Comme il y a une forte demande, c'est des embauches massives, donc les personnes n'ont même pas le temps d'être formées. La première formation que j'ai faite, en 2015, je n'étais pas formatrice, mais j'ai assisté à une formation, c'était juste après les attentats, et c'était donc la première fois que j'étais dans une formation de laïcité. Et c'était à destination des ATSEM, donc les assistantes maternelles, et des cantinières. Et donc, uniquement des femmes prolétaires, parce que c'est vraiment des boulots, pour le coup, qui sont très précaires, issues de l'immigration postcoloniale, en gros. Et ça m'avait interpellée à l'époque, je m'étais dit, ok, il vient de se passer ça. Déjà, le lien entre attentat et laïcité n'était pas forcément hyper clair pour moi, mais je voyais un peu où on voulait en venir, mais je m'étais dit, soit on forme tout le monde, soit on forme... Enfin, vous voyez, quoi. Je ne comprenais pas pourquoi c'était ces personnes-là qui étaient envoyées en formation. Récemment, on a eu avec Elsie un appel à projet pour former tous les éboueurs d'une grande ville en France pour laquelle on travaille à la laïcité. On s'est dit, tiens, ok. Tous les éboueurs, ok. C'est souvent les quartiers populaires dans les appels à projet aussi. Enfin bref, ce sont des personnes qui ont des conditions matérielles d'existence qui ne sont pas terribles, qui sont issues de l'immigration, qui sont beaucoup des boulots féminins,
du care, on va dire, des boulots essentiels à la société, mais où en fait, avec cette formation, c'est un peu du rappel à l'ordre. On va vous lire un de ces fameux appels à projets de formation. Une question, vous voyez un petit peu pourquoi il va en fournir. Parce que c'est ça aussi notre travail, c'est de répondre à des appels à projets. Oui. Alors, tout le monde est prêt ? Prêt. Donc, l'appel à projet s'intitule « Citoyenneté, laïcité, valeurs de la République ». Après les attentats qui ont frappé la France en 2015, la mairie a souhaité mobiliser l'ensemble des politiques publiques pour agir en faveur de la citoyenneté, de la laïcité et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans les quartiers populaires, les rencontres qui ont eu lieu avec les habitants et les acteurs de proximité ont fait apparaître l'existence de besoins partagés par les acteurs, la nécessité de renforcer le dialogue, ainsi qu'une réelle volonté d'agir pour rapprocher les habitants et favoriser la connaissance de l'autre en s'appuyant sur des initiatives de proximité dans une logique d'éducation populaire. Cet appel à projet vise à soutenir les initiatives promouvant la connaissance et l'appropriation de la laïcité, favorisant une citoyenneté active, et permettant des actions locales en matière de lutte contre les préjugés, l'homophobie et l'antisémitisme. Il s'agit de renforcer le dialogue autour des valeurs de la République et des notions fondatrices comme la liberté d'expression et de conscience, la citoyenneté et la laïcité, en faisant émerger des questionnements, en facilitant leur formulation pour favoriser une expression qui dépasse les représentations qui peuvent parfois diviser et éloigner les habitants d'un même quartier. Enfin, développer des actions de la connaissance de la laïcité, de son cadre légal et de sa valeur constitutionnelle, permettre de cette manière un débat dans le respect de chacun, la bienveillance, neutralité, lutter contre les communautarismes et prévenir la radicalisation. Tout le monde a bien compris ? Bien sûr. L'appel à projet ? Bien sûr. Alors, juste pour vous dire, donc vraiment, on a vraiment répondu à cet appel à projet. Mais comme ce n'était pas clair ce qui était attendu des actions locales, ben on a proposé une conférence gesticulée. Et à votre avis, est-ce qu'on a eu les financements ? Non. On est quand même là. Donc ça va. Alors, on pourrait passer des heures et des heures à décortiquer cet appel à projet qui est quand même magique. Mais on voulait s'arrêter sur ce que j'appelle le triangle des Bermudes, hein. C'est ce qu'on voit dans chaque appel à projet et ce qu'on entend de plus en plus à la télé. C'est donc le lien entre communautarisme, vivre ensemble et quartier populaire. Ça, c'est assez incroyable. Et donc, évidemment, plus ou moins lutte contre la radicalisation. En gros, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on parle de quartier populaire, on va parler de communautarisme. Bah oui, parce qu'en fait, ils se regroupent ensemble, et du coup, bah, ça empêche le vivre ensemble, parce qu'ils ne veulent pas aller avec les autres, et du coup, bah, ça amène de la radicalisation. Mais c'est exactement, enfin, ça paraît stupide quand je le dis, mais en fait, c'est exactement ça. Et on a toujours ces trois piliers de, en gros, les quartiers populaires, ou parfois on parle de quartiers prioritaires de la ville, vous voyez, le vivre ensemble, et puis qui est mis à mal, les valeurs de la République qui sont mises à mal, et puis bah, le fameux communautarisme qui vient mettre en péril un peu ce vivre ensemble, sachant que communautarisme, finalement, ça veut juste dire des personnes qui se regroupent entre elles, parce qu'elles ont des points communs, comme dans le 16e arrondissement, par exemple. Voilà. Mais là, non, là, c'est quartier populaire. C'est des termes qu'on entend pas seulement dans les appels à projets de formation, d'éducation populaire, c'est aussi des termes qu'on entend beaucoup dans les médias. Notamment sur certaines chaînes d'information en continu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous recevons M. Craig Langlais, expert en radicalisation. Monsieur Langlais, pardon. Je suis aussi expert nautique le lundi après-midi, évidemment. Monsieur Langlais, quel est votre diagnostic
concernant cette question de la radicalisation. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un communautarisme de plus en plus fort hein, qui a lieu notamment dans les quartiers populaires, ce qui met à mal nos valeurs de la République aujourd'hui. Et je pense que c'est ça hein, qui est vraiment le terreau fertile de la radicalisation qu'on connaît depuis notamment les attentats de 2015. Donc il me semble qu'il faut agir à la racine hein, au sein de ces quartiers populaires où effectivement le vieux conseil est vraiment bien. Que préconisez-vous, monsieur Landais? Eh bien écoutez, le gouvernement a mis en place un outil incroyable, exceptionnel, c'est le numéro vert qui s'affiche actuellement en bas de votre écran, 0848-113. Voilà, si vous avez le moindre doute, votre chien, votre voisin, votre nourrice, qui vous voulez, vous appelez le numéro vert, c'est anonyme pour vous, et là on lancera des recherches, et peut-être que grâce à vous, on évitera une ultime radicalisation. Merci, monsieur Landais. Alors, on a voulu faire cette petite scène parce qu'en fait, on s'est dit que c'était assez bien rodé ce qui était en train de se passer. Si on voulait faire peur, si on voulait diviser, notamment sur la question de la lutte des classes, si on voulait désigner un ennemi commun, et donc créer aussi du racisme, si on voulait occulter complètement, par exemple, la question de l'entre-soi bourgeois, et j'y reviendrai, ou même du sexisme ordinaire, par exemple, et bah, en fait, on s'y prendrait exactement de cette manière-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a certains endroits où des personnes ne comprennent pas ce que c'est que la France, mettent à mal les valeurs... qui, en plus, franchement, quand on est en formation et qu'on est là pour parler des principes républicains, quand on regarde la devise et quand on regarde les conditions matérielles d'existence des personnes qui sont devant nous, les personnes sentent bien qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et on vous en parlera juste dans un petit instant. Donc là, je ne sais pas si vous avez la référence à M. Franck Lepage ici présent avec la désintoxe de langue de bois et les petits papiers. Il y a un autre outil, on va dire aussi, qu'on a bien aimé, d'une conférence gesticulée de M. Philippe Merlin, qui est journaliste. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sa conférence. En fait, il met en relation à des termes, notamment, bah, du coup, vu que c'est sur les médias, il parle des termes de révolte, émeute, qui met avec, en face de paysanne et de banlieue. Et il dit qu'on parle toujours de émeute de banlieue et de révolte paysanne, mais on ne parle jamais de révolte de banlieue. Et ça veut dire, dans l'imaginaire, ça crée quelque chose, en fait. C'est-à-dire que on va comprendre ce qui s'est passé par exemple en 2005, enfin voilà, quand des personnes se lèvent contre une forme de ségrégation spatiale, sociale, du racisme, etc., comme quelque chose de désorganisé, de dangereux, ce qu'il y a derrière émeute en fait. Et de pas politique du coup. Et du coup, on se disait, bah, finalement, le communautarisme c'est quoi? C'est une forme d'entre-soi. Et on parle de quartier populaire, on pourrait parler de quartier aisé, pour être sympa. Pas quartier bourgeois, quartier aisé. Est-ce que vous imaginez une seule seconde un appel à projet, lutte contre l'entre-soi dans les quartiers aisés? Peut-être. Un jour. Alors ça, évidemment, ça conditionne énormément en fait la représentation qu'on a de la société et du monde. Et ça implique aussi des rapports de domination, en tout cas ça entérine certains rapports de domination. Et ça, avec Juliette, on le voit aussi énormément en formation. Et cette vision du monde, elle est très très présente. Alors juste, on ne vous a pas expliqué, mais en formation, souvent on est dans des salles comme ça, en grande salle. Avec entre 15 et 20 personnes, mais c'est rare que toutes les personnes viennent parce qu'elles ont peur, évidemment.
pour qu'elles ne viennent pas. Et souvent, on a 10-15 personnes maximum. Et donc là, ce qui s'est passé, c'était un vendredi. Donc vendredi, avec la semaine qui s'était passée, j'étais un petit peu fatiguée. Donc vendredi, c'est le deuxième jour, puisque le premier jour, on parle de laïcité, le deuxième jour, on parle de lutte contre la discrimination. Et ce qui est assez drôle aussi dans les formations, c'est que les groupes se succèdent, mais se ressemblent. Il y a toujours une Christine Boutin, il y a toujours un Laurent Baffy, ça se retrouve, quoi, c'est assez incroyable. Et donc là, il y avait un fameux Laurent Baffy qui était quand même assez relou, puisqu'il dissipait tout le monde. Donc le premier jour, j'ai réussi à peu près à le contenir, entre guillemets, et puis le deuxième jour, j'ai pas vraiment réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je suis comme ça. Je sais pas pourquoi, les gens relous sont toujours près de moi. Donc je les vois, mais en même temps, ils arrivent à dissiper les gens du fond. Donc c'est affreux. Et donc là, on rentrait dans le vif du sujet des rapports de domination, parce que j'avais parlé des rapports de domination. Donc on dit au début qu'on va parler de lutte contre les discriminations, mais en fait, on parle de rapports sociaux de domination. Donc très important pour nous, évidemment. Et j'étais à fond, et voilà, il dissipait tout le monde, personne n'arrivait à suivre, et là il me sort un truc du style, oui, de beau aussi, avec ses grandes oreilles, je sais pas quoi. Et là j'ai craqué. Et là je lui dis, oui, bon, bah, c'est bon, toi, l'homme blanc hétéro, c'est sûr que la domination tu connais pas. Et là il y a eu un silence. C'était assez incroyable. Hein. Et en fait, j'étais mal à l'aise, tout le monde avait l'air très très mal à l'aise, et ça avait été vécu un peu comme une insulte. Et donc moi j'ai profité du silence, hein, j'ai terminé la matinée comme ça assez rapidement. Et puis le midi je monte dans les bureaux, je vais voir Juliette en disant mon Dieu, mais j'ai fait une sortie de route, je ne deviens pas, j'étais trop énervée, j'en pouvais plus. Et bon, il y avait deux solutions. Soit je revenais l'après-midi et je revenais pas sur l'événement, voilà, et je continuais la formation. Soit je revenais sur l'événement. Comme je suis normande, j'ai fait ni oui ni non. Hein. Je suis arrivée, j'ai dit bon. Je suis désolée pour ce qui s'est passé ce matin. Je ne regrette pas ce que j'ai dit. Néanmoins, c'était peut-être pas le cadre pour avoir ce genre de propos. Et donc là, le fameux Laurent Baffy me regarde et me dit « Non, mais c'est pas grave, c'est juste que j'en ai marre d'être amenée à ma condition d'homme blanc. » Donc bon, autant vous dire que j'ai remis en cause tous mes propos du matin en disant que ça devait pas être très clair. Mais en fait, c'était pas tant ça qui m'a le plus choquée, c'est que tout le monde était interpellé par ce que j'avais dit. Et moi, j'étais là, mais pourtant, on parle de femmes noires, on parle d'hommes racisés, on parle d'hommes asiatiques, et en fait, ça choque personne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai dit homme blanc, et ça a crispé tout le monde, vraiment tout le monde. C'était vraiment genre, oh là là, elle est allée vachement fort quand même. Et moi, j'ai pas compris vraiment sur le moment. Et c'est Christine Dalphy, mon sociologue, qui m'a aidée un petit peu à comprendre tout ça, notamment dans son ouvrage Classé, dominé, qui sont les autres. Et donc, en fait, c'est un ouvrage où il y a plein d'articles, et il y a notamment un article qui s'appelle Les uns derrière les autres, qui est assez exceptionnel. Dans lequel elle explique que les uns, les dominants, ont un privilège ultime qui est celui de pouvoir nommer, classer, dominer les autres. Donc en gros, c'est les uns qui vont définir qui sont les autres. Et les autres, évidemment, n'ont pas ce privilège de pouvoir nommer et dominer, du coup, les dominants. Et elle prend un exemple qui est très parlant, celui de Français de souche et souche. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Alors, français de souche, c'est le terme de Finkielkraut en gros pour dire blanc. Donc, les gens vont dire français de souche pour parler de blanc. Et il y a eu ensuite le fameux terme souchien, qui a fait une polémique incroyable. Alors, peut-être parce qu'il y a l'allusion à l'animal, et encore, je crois que c'était vraiment pas ça le problème. C'est qu'en fait, souchien, pour la première fois, c'était les personnes exploitées, dominées, qui l'utilisaient pour nommer les dominants. Et ça, on n'aime pas trop nommer les dominants. Et ce qu'on voit dans les appels à projets, bah, en fait, c'est ça aussi. C'est que c'est les dominants qui vont nommer les dominés, donc avec le communautarisme, avec les quartiers populaires, etc. C'est le pouvoir même qui s'en fait. Et du coup, en faisant ça, on leur rappelle aussi que c'est de leur faute s'ils ne font pas partie des uns. Voilà. S'ils restent des autres, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer dans les uns, en fait.
Ouais, oui, effectivement, le pain. De la vivre ensemble avec les uns. Ouais. De leur rappeler sans cesse que s'ils ne font pas partie des uns, c'est parce qu'ils ne veulent pas, en fait. On a eu des moments un peu compliqués en formation où on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait, pourquoi on va parler de valeurs de la République, des personnes qui sont globalement exploitées, qui vivent du racisme, qui vivent plein de formes d'oppression, quoi. Et notamment des moments très forts qu'on peut vivre où, en fait, là, on a des appels à projets où on ne voit pas les personnes. Enfin, voilà, c'est des mots comme ça, quartier populaire, vivre ensemble, machin. Mais nous, on voit les gens et on entend leur récit. C'est des personnes qui ont des choses à dire et qui ont des histoires. Et un bon moyen de faire sortir les histoires, c'est un des outils qu'on utilise, c'est le photolangage. Je ne sais pas si vous connaissez, le photolangage, le principe, c'est qu'on a, en gros, on a une cinquantaine de photos, d'images, qu'on étale sur une table, et on demande aux personnes qui sont autour de la table de choisir la photo qui leur parle le plus, qui leur évoque des choses, quoi, photo, langage. Et c'est un moment qui est intéressant, parce qu'en fait, on dit aux autres de ne pas réagir, ou de pas, surtout pas couper la parole des personnes qui sont en train de... en gros, élaborer leurs pensées sur la photo qu'ils ou elles ont choisie. Donc c'est un temps de parole qui est protégé, où il y a parfois des choses hyper fortes et intéressantes qui s'élaborent. Donc là, c'était une des dernières formations que j'ai faites. Et arrive le tour, lors du photolangage, d'une jeune femme qui me montre cette photo. Donc c'est la photo d'une aventure de mairie, quoi, liberté, égalité, fraternité, avec le drapeau français. Et donc elle dit qu'elle a choisi cette photo parce qu'elle est en train de vivre un truc assez particulier. C'est qu'en fait, elle a demandé un logement social avec son mari il y a des années, parce que ça met très très longtemps avant que la demande aboutisse. Et en fait, elle était hyper soulagée parce qu'ils ont eu leur logement social au moment où ils ont eu un bébé. Donc c'était parfait, quoi. Ça tombait très très bien. Et donc ils s'installent dans le logement social, et en fait au bout de quelques temps, ils se rendent compte qu'il y a des choses pas très cool qui se passent, qu'ils sont intimidés, harcelés par leurs voisins, enfin ils savent pas qui en fait. Ils ont des mots d'insulte sur leur porte, ils ont des bouteilles d'alcool devant leur porte, ils sont présumés musulmans, ils ont ce genre de choses. Et un matin, elle va au travail, et sur le parking de chez elle, elle voit sur le scooter de son mari un drapeau français accroché. Et du coup, cette image était assez évocatrice pour elle de dire, c'est à moi qu'on apprend c'est quoi les valeurs de la République, quoi. Et elle est un peu en colère, en fait, cette histoire. Et je me suis sentie impuissante, tout simplement. Parce qu'en plus, du coup, vous imaginez bien que pour trouver un nouveau logement, c'était pas possible, en fait. Elle a essayé de porter plainte, elle a tout essayé, mais il n'y avait personne. Enfin, on leur a dit, portez plainte contre X, quoi, ça sert à rien, il n'y aura jamais d'enquête, jamais. Donc, bah, vous faites avec. Vous vivez avec la peur, la honte, etc., tout ça. Ouais, ça s'est fait progressivement, mais c'est vrai qu'il y a eu des événements comme ça qu'on a vécu, Juliette et moi, qui ont été assez révélateurs dans cette crise de sens de notre travail. Alors moi, c'était pas lors d'une formation laïcité, mais c'était lors d'une formation en lutte contre les discriminations. Notre association, en fait, avait un partenariat avec une autre asso qui prenait en charge des jeunes de 18 et 25 ans, qui sont éloignés soit du milieu du travail, soit de la scolarité. Et donc on faisait des parcours là-bas, et moi j'intervenais notamment sur le module contre la discrimination. Et j'allais dire radicalisation. Et, en fait déjà c'était un concept d'aller expliquer aux plus discriminés de la société qu'il ne fallait pas discriminer. Mais bon, j'y suis allée de bon cœur quand même, avec mon petit photolangage, parce que c'est vrai que le photolangage c'est quand même un outil incroyable, puisque la photo est un levier en fait de libération de la parole qui est exceptionnel et qu'on utilise beaucoup,
parce qu'à partir de ce moment, en fait, on peut politiser aussi les responsabilités des personnes. Et donc voilà, donc moi j'arrive avec mes petits photolangages, donc il y avait à peu près 10 jeunes. Donc je pose mes photos, je leur dis d'en choisir une. Et en fait, pratiquement tous les jeunes choisissent celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en fait des forces de l'ordre, voilà, qui contrôlent des personnes qu'on estime comme migrantes, on ne sait pas trop. Et là, en fait, j'ai eu pendant une heure que des récidives de violences policières. Alors, soit de jeunes qui venaient d'Afrique et qui, du coup, me racontaient un peu leur parcours quand ils étaient détenus dans des camps, soit des jeunes qui vivaient dans les quartiers pas loin et qui me racontaient les violences en fait, qu'ils subissaient, le racisme aussi qu'ils subissaient quotidiennement et en fait la haine qu'ils avaient en eux en disant mais en fait je sais pas quoi en faire, je sais que c'est pas bien d'être violent, mais quand on me demande ma carte d'identité 15 fois par jour, quand on me demande ma carte de transport 10 fois par jour, quand les gens se lavent les mains après moi pour s'asseoir, enfin c'était des trucs mais... Et en fait, moi, je recevais ça et je savais pas quoi en faire. Et il y a notamment une anecdote, un événement qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'en fait, il y a un jeune qui me racontait que le jour de ses 18 ans, tout content, il était descendu en bas de l'immeuble avec un gâteau pour le partager avec ses copains. Et qu'en fait, à ce moment-là, il y a les forces de l'ordre qui sont arrivées, qui ont écrasé son gâteau et qui ont gazé tout le monde. Et en fait, il était... sidéré vraiment, enfin la sidération, il comprenait pas, en fait, il comprenait pas ce qui s'était passé, et en même temps il le vivait au quotidien, et c'était super dur parce que moi j'avais envie de leur dire, mais allez-y, on va aller les caillasser les flics, mais en même temps c'est pas moi qui mets moi de couvert en tôle, donc, c'était, franchement, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, parce que j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que je fais en fait, pourquoi je suis là? Enfin, je vais dire quoi à ces jeunes en fait? Enfin, je suis là pour leur dire, ah mais non, mais la discrimination, non, c'est pas possible. Donc ouais, grosse crise de sens quand même dans notre travail. Et on s'est rendu compte avec Juliette que c'était assez concomitant avec aussi une crise de sens dans l'éducation populaire. Puisque que ce soit le photolangage ou par exemple le théâtre forum, je sais pas si vous connaissez peut-être, ben, en fait c'est des outils qui sont utilisés, qui sont même nommés dans ce genre d'appel à projet, mais qui en fait sont totalement détournés de leur objectif premier pour encore une fois rappeler à l'ordre, pour opprimer encore plus. Alors nous, ce qui nous a marqué, c'est notamment le théâtre forum. Alors il y a énormément d'appels à projets qui demandent absolument du théâtre forum. Alors évidemment, c'est pas écrit du théâtre de l'opprimé, évidemment. Et puis c'est même pas du théâtre de l'opprimé, mais c'est ça le truc, c'est que, je sais pas si vous voyez le théâtre de l'opprimé, qui est né au Brésil, qui a été fait par les opprimés pour les opprimés, qui était un outil pour prendre conscience justement de ses moyens de subsistance, de son existence et comment on pouvait aussi lutter contre les oppressions. Et en fait, maintenant, le théâtre forum, mais c'est hyper chic et on va l'utiliser pour, bah, par exemple, avec le marché des éboueurs, pour leur dire, bah non, mais là, ta pratique, c'est pas terrible, non, mais là, il faudrait revoir. Et en fait, c'est quand même incroyable. C'est une méthode faite par les opprimés, quand même pour les opprimés, de politisation intense, quand même incroyable. Et on en arrive, c'est récupéré, hein, tout est récupéré pour au final réopprimer les personnes. Pour les éboueurs, l'appel à projet, c'était donc transmettre la laïcité via le théâtre forum, mais c'était fait par leurs employeurs. Enfin, vous imaginez, c'est quand même un outil qui n'est pas fait pour le vendre au pouvoir. Enfin, c'est absurde dans ce sens-là. Et en fait, c'est ce qui se passe avec l'éducation populaire. Et aujourd'hui, parfois, on parle même plus d'éducation populaire, on parle d'éducation non formelle, avec des outils ludiques et interactifs. Et c'est un peu ça qu'on a constaté, en fait, dans les milieux associatifs dans lesquels on est. C'est-à-dire que c'est vendeur, en fait, de faire ça. Parce que, bon, il y en a un peu marre de l'éducation classique, formelle, descendante, donc on va utiliser des outils fun, mais quand même pour, au final, remettre les gens dans les rails que, soi-disant, ils ont quittés, quoi. Enfin, en tout cas, pour les éboueurs, c'est comme ça qu'on l'a interprété, et ça nous a quand même hyper étonnés. En 3 heures, ils sont censés être formés à la laïcité. Oui, c'est l'éducation populaire institutionnalisée.
demander, peut-être, pourquoi on continue à faire ça. Pourquoi? Oui. Alors, on a deux réponses pour vous. Ouais, alors, l'une des réponses, c'est quand même le collectif, parce que là, on crache sur l'éducation populaire, mais on crache pas sur toute l'éducation populaire. Là, ce qu'on remet en cause, c'est effectivement l'éducation populaire institutionnalisée, ce que je veux dire. Qui veut éduquer le peuple. Qui veut éduquer le peuple. Et en fait, nous, après cette crise de sens, on s'est dit, on va faire la vraie éducation populaire. C'est-à-dire qu'on va créer du collectif, qu'on va utiliser ces espaces pour que les personnes puissent politiser en fait leur existence, ce qu'ils ont pu vivre, leurs émotions, et pour qu'ils ressortent un peu plus fort, pour qu'on laisse de côté cette neutralité et qu'on parle de politique et qu'on parle aussi de religion et qu'on parle de ce qui fait mal, mais que voilà, que les gens puissent en fait avoir les outils pour se penser. Et ça, c'est assez incroyable parce que quand on a commencé à le mettre en place, les gens ont commencé à nous dire merci. Alors moi, au début, je le prenais très mal, j'étais genre merci, je suis payée pour faire ça. En plus, je suis une femme, donc bon, on remercie d'être là, d'exister, waouh, c'est chaud. Et en fait, j'ai compris après que merci parce que j'ai compris des choses, parce que maintenant j'ai des outils, merci parce qu'on a dialogué, et merci parce que je me sens mieux et que je me sens armée, en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on continue, pour ce collectif, pour cette politisation, en fait, qui est très très belle. Il y a autre chose aussi, c'est que... Parce que, bon, pourquoi la laïcité? C'est quand même pas un sujet hyper... ça peut être un peu bombant, quoi, la laïcité. On est passionné de laïcité. Mais en fait, on a beaucoup d'amis. Ça n'a plus beaucoup d'amis. En fait, on s'est rendu compte que... ça va sonner comme un scoop, ça en est... mais pour nous, ça l'a été un peu. Quand on parle de laïcité, on parle de femmes, en fait. Et du coup, ça, quand on a pris conscience de ça, on s'est dit, mais c'est pour ça que ça génère aussi un truc un peu viscéral chez nous. Forcément, parler de femmes, ça nous touche. Enfin, c'est ce qui, en fait, est constitutif de notre militantisme, bien au-delà de la question de la laïcité. Donc je dis que ça ne vous aura peut-être pas échappé, parce qu'en fait, ces derniers temps, quand on parle de laïcité, en général, on le met toujours en lien avec la question de l'égalité femmes-hommes, et même dans ces appels à projets, hein, c'est complètement mis en lien, et c'est aussi mis en lien avec la question du contrôle du corps des femmes, et notamment du contrôle du corps des femmes musulmanes. Juste pour vous donner une petite vue d'ensemble des dernières lois en fait, qui sont passées, je vais essayer de faire ça vraiment pas chiant. Donc en fait, 2004, interdiction du voile à l'école. Donc c'est pas dit comme ça, parce qu'on dit que c'est pas que le voile, mais c'est quand même beaucoup pour le voile, et dans les médias c'est appelé la loi sur le voile. En 2010, on interdit le port du voile intégral dans la rue. En 2012, il y a une première tentative d'interdiction du port du voile pour les parents accompagnateurs, les mamans accompagnatrices. En 2014, il y a une tentative d'interdiction du voile à l'université. En 2016, il y a la loi travail. Souvenez-vous, la loi travail. Et dans cette loi travail, eh ben, il y a un petit article qui est venu étendre la possibilité pour les employeurs de restreindre les signes religieux des salariés, en sachant qu'au départ, on est d'accord que ça concerne les salariés du public, la question de la neutralité. Mais la loi travail, elle a aussi fait ça. Elle a aussi fait que c'est plus possible, je ne sais plus la phrase du juriste, là. Il faut que toute interdiction soit proportionnée au but recherché par l'employeur. Donc il y a eu des femmes ingénieures hein, qui travaillaient dans des grandes boîtes, qui portaient le voile, qui ont été licenciées du jour au lendemain. Enfin, en fait, voilà, il y a eu ça. Donc 2016, 2018, c'était Burkini, je crois. Il y a eu l'UNEF aussi, c'est-à-dire le syndicat étudiant. Donc on ne veut pas d'une représentante syndiquée qui porte un voile parce que c'est contre l'égalité femmes-hommes. Et puis bah, là, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais on est reparti sur les mères accompagnatrices, et c'est un film. C'est une parole qui est largement confisquée, la parole des femmes qui portent le voile.
Donc on ne va pas vous parler du voile aujourd'hui, on n'est pas concerné. Mais on a fait un petit détour historique. On n'a même pas exprès en fait. C'est qu'en fait, en cherchant un peu dans l'histoire de la laïcité, de pourquoi la loi de 1905, etc., on est tombé sur une histoire qu'on a trouvée hyper intéressante et hyper éclairante. Alors, le teasing pour que vous vous accrochiez pour la suite, c'est avant 1905, certaines femmes catholiques avaient énormément de pouvoir dans la religion. Et la religion catholique, pour certaines, a été source d'émancipation et première forme de résistance à la domination masculine. On précise qu'on ne fait la promotion d'aucune religion. Simplement, historiquement, on précise. Quand on est tombé sur cette histoire, donc il y a un monsieur qui s'appelle Claude Langlois, pas Craig Langlais, qui a écrit une thèse sur donc c'était en fait des femmes qui avaient du pouvoir dans ce qu'on appelait les congrégations religieuses féminines catholiques. Il y a eu une massification de ces associations de femmes catholiques tout au long du 19e siècle, donc avant la séparation des églises et des États. Donc il y a ce monsieur Claude Langlois qui a consacré sa thèse aux congrégations féminines, mais c'est la seule source historique conséquente sur ce sujet-là. Le bouquin est introuvable, mais on a trouvé un autre bouquin qui s'appelle « Associations féminines et catholicisme, de la charité à l'action sociale, 19e-20e siècle » de Sylvie Fayez-Cri. Donc juste pour vous donner un peu un aperçu, le premier chapitre de son livre s'appelle « De l'invisibilité ». Parce qu'elle dit que cette histoire est inconnue, on n'en parle jamais. Parce que les femmes catholiques du 19e siècle ont été, enfin l'histoire des femmes catholiques globalement a été oubliée par l'histoire du catholicisme qui a mis en avant plutôt les hommes. Et l'histoire du catholicisme a été oubliée par l'histoire républicaine, entre guillemets, qui n'a pas mis en avant le catholicisme. Donc elles sont doublement oubliées, en fait. Et en fait, on a trouvé ça hyper intéressant, parce qu'à un moment donné, dans ce bouquin, elle cite un historien qui dit que même si ce n'était pas du tout ce que l'Église catholique pensait que c'était ce qu'elle était en train de faire, évidemment, qui est extrêmement patriarcale, eh ben, elle a permis, en fait, à plein de femmes, via ses associations et ses congrégations, de résister à la domination masculine. Pourquoi ? Parce que, déjà, elles échappaient au mariage obligatoire, au fait d'avoir des enfants. C'est des femmes qui ont eu des responsabilités assez importantes, donc de soins, par exemple, quand l'État n'était pas présent, donc c'était elles qui faisaient les soins médicaux, etc. L'enseignement, c'est aussi, d'une certaine manière, les premières travailleuses sociales. Et en fait, il dit dans ce bouquin que c'était insupportable pour les anticléricaux de l'époque de se dire qu'il y avait des femmes qui avaient du pouvoir. Déjà, il y avait des femmes qui avaient du pouvoir, mais dans la religion, parce que ça n'allait pas avec leur schéma de pensée, ça n'allait pas avec leur argumentaire. Et donc, il disait, non, mais en fait, elles sont dangereuses parce qu'elles sont soumises, parce que elles ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de faire, elles ne comprennent pas qu'elles sont en train d'être manipulées par les prêtres, etc. Et donc, elles sont en train de répandre une idéologie obscurantiste. Je ne sais pas si ça vous évoque des choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous, on a trouvé ça assez intéressant. Mon grand-père, que je n'ai pas beaucoup connu, mais c'est une phrase qui est restée dans la famille, j'ai demandé confirmation il y a peu de temps, donc disait très souvent, il n'y a rien de pire qu'une bonne femme d'église. Il n'y a rien de pire qu'une bonne femme d'église. Alors moi, je ne comprenais pas trop, pire que quoi, pourquoi. Alors j'ai compris après que c'est parce qu'elle se rassemblait le dimanche, vous savez, dans le petit village, ça parle. Voilà, donc il n'y avait rien de pire qu'une bonne femme d'église. Et il y a un auteur qui s'appelle Jean Roubéreau, qui a notamment écrit « La laïcité falsifiée », qui est un ouvrage exceptionnel, qui revient d'ailleurs sur l'utilisation de la laïcité depuis 2005, et
qui explique qu'au moment de la loi de 1905, les républicains ne voulaient pas donner le droit de vote aux femmes. Ne voulaient pas non plus leur donner des statuts de pouvoir, pour la simple et bonne raison qu'elles étaient soumises à la religion catholique. Et que, de fait, elles avaient forcément tout raconté aux prêtres. Sachant qu'à cette époque, il y avait encore la guerre des deux France entre l'Église catholique et puis les républicains. Et que donc, de fait, il fallait les éloigner le plus possible, puisque forcément, ils allaient être soumises aux prêtres et tout raconter. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, en fait, la loi de 1905 a séparé les Églises et l'État, mais il y a eu plein de petites séparations avant, et notamment suite à la Révolution française, où il y a l'État civil qui a été séparé des Églises. Donc on a récupéré, l'État civil a récupéré à ce moment-là les registres, donc a pu avoir la main sur la population. Et puis, peu de temps après, en 1804, il y a le Code civil qui apparaît, donc en dehors du religieux. Et dans ce Code civil, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est incroyable. Que les femmes sont des mineurs. Vous voyez? Donc en fait, on est en dehors du religieux, mais on institutionnalise en fait les inégalités. Puisque là, on était beaucoup sur la question du droit, égalité en droit, etc. Sauf qu'en fait, les droits n'étaient pas les mêmes à la base, donc tout était faussé. Donc Bobéro raconte tout ça, et notamment voilà, toujours cet argumentaire de la femme soumise à la religion, et que de fait, on va libérer, mais qu'on va également enlever de toute sphère politique. Et donc cette phrase de mon grand-père, il n'y a rien de pire que les bonnes femmes d'église, elle résonnait aussi beaucoup en moi, parce que quand j'étais jeune, j'étais très pratiquante. Alors voilà, petit chapelet que j'ai eu donc à Lisieux, puisque j'étais une grande fan de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors là, vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est en tout petit, mais donc elle est là, avec son voile, c'est rose, et elle prie le Seigneur. Et effectivement, j'adorais Sainte Thérèse de Lisieux parce que, en fait, je la trouvais super badass. Bah, déjà, à 17 ans, elle décide de partir chez elle, de rentrer dans le couvent. Donc, de se dire, j'aurai pas d'homme et pas d'enfant, si c'est pas féministe, excusez-moi. Elle devient écrivaine, voilà, elle est reconnue dans le milieu pour ses écritures. Et puis, elle sera canonisée peu de temps après sa mort, bon, très très jeune, à 24 ans, mais quand même, bon parcours, quoi. Donc voilà, j'étais vraiment, vraiment fan de Sainte Thérèse de Lisieux. Et puis, le jour de la mort de Jean-Paul II, ça m'a brisé le cœur. Alors voilà, je vous fais scène, j'étais comme ça, devant ma petite télé, en pleurs. Rien qu'en voyant en fait les croyants et croyantes à Rome, eux aussi en pleurs, à l'idée de voir Jean-Paul II disparaître. Bon, pourtant, il a le royaume de Dieu, je comprends pas. Mais, et en fait, ça m'a vraiment, j'étais vraiment attristée. Et là, je me suis dit, bon, je vais devenir bonne sœur. Je suis pas devenue bonne sœur, hein, je suis devenue formatrice laïcité. peut-être un lien, je sais pas. Mais voilà, j'ai changé d'avis assez rapidement finalement. Mais j'ai quand même continué un petit parcours catho pendant un petit bout de temps, notamment en passant ma confirmation. Et là, c'était aussi un énorme moment pour moi, puisque la confirmation, on choisit ou pas de la passer. Donc moi, j'avais choisi de confirmer à ma foi devant Dieu, donc c'était assez incroyable. Alors bon, j'aurais pu m'arrêter là. Enfin, c'est ce qui était prévu au début, et puis finalement, quand on a joué, quand on a construit plutôt notre conf avec Juliette, il y a une de nos amies qui m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et merci à elle, parce qu'elle avait vu très juste. Le plus important, c'est ce qui s'est passé après. avant, moi, j'étais pas féministe. Du tout. D'ailleurs, en général, quand je rencontrais un mec au début, je lui disais « Surtout, t'inquiète pas, je suis pas féministe. » Et c'était même les mecs qui me disaient « Ah bon, enfin... » Mais moi aussi, du coup, c'est bizarre. Et donc, en fait, c'était une manière de dire « Je vais tout faire bien, je vais pas être relou, je vais pas revendiquer. » Je suis OK avec toutes les tâches ménagères, les massages de pieds, voilà, pas de problème. J'ai grandi dans un environnement, en fait, très athée, pour le coup, pas que familial, hein, l'école, voilà. Et donc, la question de la domination
des hommes n'était pas du tout évoquée, ou alors quand elle était évoquée, elle était naturalisée, c'est-à-dire il y a des rôles qui sont définis, voilà, c'est comme ça. Vous les femmes, vous mettez des enfants au monde, donc vous avez l'instinct maternel, donc vous restez à la maison pour vous... Enfin voilà, c'est très logique, quoi, très naturalisé. Et d'ailleurs, on ne parlait pas de domination ni de soumission, hein, c'était l'ordre naturel des choses. Et quand on parlait de soumission ou de domination, on en parlait toujours pour les autres femmes, notamment les autres femmes religieuses et notamment les autres femmes religieuses musulmanes. Voilà, s'il y avait bien des femmes soumises, c'était elles. Moi, non, je n'étais pas soumise. Et en fait, j'ai rencontré le féminisme au moment où j'ai rencontré la laïcité. Donc au moment où j'ai rencontré Elsie, en fait, aussi, finalement. Et du coup, c'est hyper fort de rencontrer le féminisme. Je pense, comme toute personne qui politise en fait son vécu, j'ai regardé tout ce que j'avais vécu avec, évidemment, d'autres lunettes, quoi, forcément. Parce que, bon, pour le coup, quand on est une femme, on peut... pas toutes les femmes, mais globalement, on peut vivre un certain nombre de trucs pas cool, quoi. Ouais. Et moi, en l'occurrence, j'ai regardé mon histoire médicale d'un autre œil. On est bien toujours dans une conférence sur la laïcité, hein, mais est-ce que vous connaissez l'endométriose ? Mmh. Levez la main ceux ou celles qui connaissent. Bon, je vais quand même expliquer un peu ce que c'est. Donc l'endométriose, c'est une maladie chronique. Qui fait qu'en fait, donc normalement les femmes, tous les mois, elles ont leurs règles, elles ont l'endomètre qui est en fait sur les parois de l'utérus qui tombe, et ça fait les règles. Pour les femmes qui ont l'endométriose, le sang il tombe, mais aussi il remonte, via les trompes, etc. Et ça fait des kystes, des caillots de sang qui viennent se mettre à différents endroits, sur les ovaires, les trompes, parfois même dans l'appareil digestif, et en fait ça peut... Il y a différents degrés, il y a différents stades, mais c'est vraiment pas cool. Le symptôme principal, c'est la douleur. Et au moment des règles, mais pas que. Donc moi, j'ai passé 10 ans, de mes 11 ans à mes 21 ans, à souffrir le martyr. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'étais pliée en deux tous les mois, je suis tombée plusieurs fois dans les pommes, j'ai eu plusieurs fois aux urgences. Globalement, c'était un peu un calvaire, quoi. Et à chaque fois que j'allais aux urgences, on me disait, bah, on comprend pas, rien. En fait, comme j'avais mal là, et bah, ils pensaient que c'était l'appendicite. Donc ils me faisaient une échographie, ils voyaient rien, ils disaient, bon, bah, repartez chez vous, puis prenez sur vous, quoi, parce qu'en fait, les règles, ça fait mal. C'est comme ça, donc voilà. Donc j'ai passé 10 ans comme ça, à voir plein de spécialistes. J'ai vu des kinés, des ostéos, des éthiopathes, des magnétiseurs, des acupuncteurs, tout un tas de médecins, beaucoup de gynécos, pour que, à 21 ans, je sois diagnostiquée de l'endométriose, parce qu'en fait, on m'a fait un IRM, je ne sais pas comment on dit, qui a montré que j'avais du coup des kystes, comme des petites hémorragies, en fait, au niveau de l'ovaire droit, et que ça expliquait tous mes douleurs, en fait. Donc bon, déjà, j'étais un peu... alors pourquoi ça met autant de temps? Enfin, on ne pouvait pas y penser avant, quoi. Et donc, on ne pouvait pas y penser avant parce que ça fait pas longtemps que ça a été découvert, entre guillemets, et que c'est diagnostiqué. Donc j'aurais pu remercier grandement le professeur, le grand professeur qui m'a diagnostiqué. C'était quelqu'un de très réputé. Hein. Et en fait, il s'est passé deux trucs dans la consultation quand il m'a diagnostiqué qui ont fait que je ne l'ai pas remercié. Enfin, quoique j'ai dû le remercier quand même, parce que soumise comme j'étais à l'époque et pas féministe, je veux dire merci. Premier truc déjà, c'est que bon, il me dit j'ai une endométriose. Est-ce que vous voulez faire un test de stérilité? Moi, j'ai 21 ans, je ne me pose pas la question si je veux avoir des enfants. Enfin, voilà, c'est lui qui m'amène ça. Et du coup, je pense à ça. Du coup, je me dis, merde. Donc,
Donc je dis non, parce que je sais pas, j'ai un peu jugeote à l'époque, j'ai pas envie, je pense pas aux enfants, donc non, j'ai pas envie de faire ce test-là. Mais déjà, là, à ses yeux, je suis quand même une mère potentielle, quoi. Et puis, donc l'examen se passe, et en fait, quand vous avez un doute, je parle aux femmes, sur si un examen gynéco est un peu border et aller trop loin, c'est un peu limite, en fait, on vous dit, eh ben, tout ce qui dure trop longtemps, ou ce qui est répété et qui n'est pas expliqué, n'est pas normal. Et donc moi, ce qui n'a pas été normal, c'est qu'en fait, j'ai eu deux palpations de sein. Une qui faisait partie de l'examen, et une autre au moment où j'étais prête à me rhabiller. Donc imaginez que je suis nue dans la salle de ce grand spécialiste, et qui se colle à moi, et qui me fait une deuxième palpation en me disant à l'oreille, « Vous êtes super, hein, bougez pas surtout. » Et donc là, je suis une mère potentielle, mais je suis surtout juste un corps, quoi, à mater, et à commenter, et à toucher. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que, qu'on se comprend avec Elsie et qu'on s'est politisé ensemble, et qu'en fait, ces sujets-là nous touchent. C'est que, quelque part, quand on est une femme, pas toutes les femmes, hein, j'espère, hein, mais en tout cas, nous, ben, nos corps ne nous ont pas toujours appartenu, pas tout le temps, en fait. Alors, pourtant, l'institution médicale, c'est quand même présenté comme quelque chose qui est en dehors de la morale religieuse, en dehors de la domination masculine, en dehors du patriarcat. Pourtant, ce qu'on observe, et heureusement, on entend de plus en plus de femmes qui arrivent à en parler, c'est qu'en fait, c'est un lieu hautement patriarcal, comme plein d'autres, comme on dirait, mais en tout cas, où la violence est quand même assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ma confirmation, vous me direz ? Alors, c'était... Quelques mois après, c'était le 25 mars 2009. J'ai encore les dates en tête. Le 25 mars 2009, j'ai été hospitalisée au CHU de Rouen pour anorexie. Alors, quand on est hospitalisé pour anorexie, on rentre dans ce que j'appelle moi encore la prison du soin, c'est-à-dire qu'on est enfermé et qu'en fait, si on ne prend pas de poids, on n'a plus le droit de voir sa famille, on n'a plus le droit de leur téléphoner, on n'a même pas le droit d'envoyer de courrier et on n'a pas le droit de sortir surtout. Donc on passe un temps assez interminable à attendre finalement et puis à devoir grossir, donc à essayer de se gaver, enfin voilà, c'est assez incroyable. Et c'était assez dur, notamment parce que, comme je vous disais, je sortais de ma confirmation. Donc moi, j'étais vraiment très croyante et pratiquante. Et en fait, dès que je suis arrivée, on m'a posé la question, est-ce que tu pratiques ? Alors, ils avaient notamment vu parce que j'avais une croix. Donc oui, je suis croyante. Et ça les gênait vraiment. Et en fait, j'ai compris que ce qui les gênait, c'est que pour eux, c'était une forme de soumission. Et ils me renvoyaient notamment à la question de l'assaise. Vous voyez, dans l'Église catholique, où la 16 est très valorisée. Et donc, pour eux, c'était en tout cas l'élément déclencheur, c'était forcément cette 16 un peu mystique, cette volonté de ressembler à Sainte-Thérèse de Lisieux, je ne sais pas. C'est comme ça que je suis arrivée. Il y a Muriel Darmon, qui est l'une des seules, d'ailleurs, et je la remercie, à avoir écrit un livre, en tout cas, avoir fait une étude sociologique sur l'anorexie, donc pas seulement psychologique. Et elle écrit notamment que le premier objectif, est de faire intégrer à la patiente le point de vue de l'hôpital sur elle comme condition de réalisation des objectifs thérapeutiques. Donc en gros, l'objectif, c'est que, en tant que patiente, je laisse totalement l'hôpital décider du point de vue de mon corps, en fait, de mon corps. Et il y a trois choses qu'on nous disait beaucoup, et qui m'ont fait réfléchir quand même sur quel point de vue avait l'institution sur mon corps. Alors la première chose c'était, alors je crois que c'était pour me faire culpabiliser ça, parce que c'était un truc assez récurrent. Non mais attendez là, regardez-vous, vous ressemblez à des gens qui sortent de camp de concentration.
je n'ai pas trop quoi en faire, par désolé. Voilà, donc culpabilité à fond. Le deuxième discours était bon. Si tu continues comme ça, parce qu'après on passe à si tu continues comme ça, soit tu vas te suicider, soit tu vas être une mauvaise mère. Ah, je sais pas trop, vous voyez, parce que quand même. Mais ouais, et parce que mauvaise mère, quand même, c'est incroyable. Le truc, c'était tu vas devenir une mauvaise mère. Et d'ailleurs, je pense beaucoup à ma propre mère, parce que ça a été très compliqué pour elle aussi, puisque l'institution lui a sans cesse rappelé que bah, c'était un peu de sa faute aussi, quand même, que c'était un peu la mauvaise mère, qu'elle était certainement trop présente, et que du coup, bah voilà, j'avais pété les plombs à cause d'elle. Donc, j'aime pas trop. Et puis, le troisième discours, c'était... non, mais là, tu fais pitié, faut que tu manges, parce que ouais, tu peux pas avoir d'enfant. Et puis vraiment, là, tu fais pitié. Alors, je peux pas avoir d'enfant. Parce que quand on est en soupant, on est en aménorrhée, donc effectivement, c'est pas vrai, on ne peut pas avoir d'enfant. Et puis, je fais pitié. Donc, en gros, là, je les faisais chier. Parce que mon corps servait à rien. Parce que je pouvais pas être mère. Et puis, j'étais pas baisable. Du coup, je servais à rien. Et c'est assez incroyable, hein, parce que c'était un discours qu'on observait continuellement. Et donc, le regard, en fait, de l'institution sur mon corps, et sur le corps de toutes les femmes qui étaient, enfin filles qui étaient là, parce qu'en fait il n'y avait que des filles, et c'était jamais un sujet d'ailleurs. Par contre, on nous faisait faire des petits ateliers esthétiques, hein, ateliers diététiques, tout ça, pour apprendre finalement à être une bonne femme en sortant de l'hôpital. En fait, c'est ça le regard de l'institution sur le corps des femmes aujourd'hui, donc c'est en dehors de la religion évidemment. Et il y a une écrivaine qui m'a beaucoup aidée à comprendre, en tout cas mon entrée dans l'anorexie, c'est Annie Ernaux. Qui a beaucoup écrit là-dessus, mais plutôt en sous-texte, et qui écrit notamment dans Mémoire de fille, donc son entrée dans les études supérieures, et en parallèle son entrée dans l'anorexie. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle rentre dans un véritable programme de perfection sur deux points. Le premier point, c'est physique, donc elle essaye de maigrir pour être fine, bourgeoise, entrer dans le cadre bourgeois, dans la finesse, la grâce sociale, la grâce divine. Et le deuxième point, donc c'est de travailler avec acharnement, notamment la philosophie, pour combler son retard social et son ignorance. Et en fait, c'est ça, c'est qu'elle explique comment le cadre bourgeois aussi amène à vouloir se perfectionner, se surperfectionner pour rentrer dedans. Donc avant, j'étais pas féministe. Et maintenant, je le suis. Radicalement. À la racine. Et ce que je vous ai raconté, c'est pas une anecdote, c'est pas anecdotique, c'est pas le truc qui n'arrive jamais et j'ai vraiment pas eu de chance. C'est un truc qui est hyper, hyper récurrent. Et en fait, déjà, depuis que j'en parle, j'ai je ne sais pas combien de témoignages qui disent exactement la même chose, quoi. Donc il y a un problème. Clairement. Et la question de... Enfin, pour nous, c'est la question de la disponibilité du corps des femmes, en fait. Et on se dit que, en fait, on s'en sortira jamais, et on sera jamais vraiment libre, tant que ce sera un sujet. Tant que ce sera un sujet de débat. Voilà. Un sujet sur la place publique, un objet de contrôle, en fait. Et... bon... Il a peut-être un peu plombé. On voulait quand même redonner aussi la parole à des gens qui souffrent aussi. Donc on voulait citer un journaliste qui s'appelle Jean Quatremer, qui était journaliste à Libé et qui a écrit « Que signifie le port du voile? Le refus absolu du mélange et le rejet de l'autre. Cette femme proclame dans l'espace public qu'elle n'aura jamais de relation amoureuse ou sexuelle avec un non-musulman, c'est violent. » Voilà, on voulait profiter de cet espace pour que toutes les voix soient entendues. Et alors on a trouvé aussi, en cherchant là, un historien qui s'appelle Marcel Gauchet, et qui a dit que, pour lui, il percevait le voile comme un signe affiché d'un non-partage des femmes. Et on s'est dit, vu qu'on a fait de l'anthropologie, ça fait très,
Ça fait très don contre don, enfin ça fait très analyse anthropologique des femmes, quoi, comme un partager un objet en fait, qui a de la valeur et qu'on peut échanger. Voilà, voilà. Si j'étais pas féministe et si je le suis maintenant, c'est grâce aux rencontres que j'ai pu faire, notamment celle d'Elsie. Et en fait, la force du collectif, vraiment, je crois que c'est le truc central pour nous. La politisation collective et Elsie, elle a conceptualisé ça. Tu peux plus me citer ? Oui, alors je pense que ce qui m'a permis d'aller mieux, permis d'être là, permis d'en parler, c'est ce que j'appelle du coup la guérison politique, puisque des psychiatres, des psychologues, j'en ai vu des tas, et en fait j'ai jamais compris ce qui m'arrivait, j'ai jamais compris pourquoi je souffrais. Et en fait, quand j'ai rencontré le féminisme, ben, j'ai compris. Quand j'ai compris la lutte des classes, ben, j'ai compris. Et y a plein de femmes qui n'ont pas cette chance, que j'ai rencontrée, que je n'ai pas rencontrée d'ailleurs, mais qui voilà, n'ont pas cette chance de connaître la politisation, la force du collectif qui reste finalement aux prises de l'institution. Donc moi j'en ai connu évidemment qui en sont mortes, hein, et donc je pense à elles aussi. Et la guérison politique, je pense qu'il y a beaucoup à faire, il n'y a que ça de vrai finalement. Ah oui, on avait oublié. On vous parlait de Jean Bovero, et en fait, on aime beaucoup cette phrase. Quand il parle des femmes catholiques, mais du coup, c'est un peu. Pour nous, ça vaut un peu pour tout ce qui se passe, en fait. Il dit : finalement, on prétend paradoxalement que la femme est soumise parce qu'elle ne se soumet pas aux injonctions qui lui sont faites, parce qu'elle est autre que ce qu'on voudrait qu'elle soit. Ça vous parle ? Oui. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que à la fin de nos formations, on est évalué. Ouais. On fait une évaluation sur, par exemple, est-ce qu'on a été disponible. Il y a un système de disponibilité des formatrices. Donc là, on s'est dit que ce serait, non pas de vous demander de nous évaluer, mais ce serait bien que nous, on évalue un petit peu les dominants, le gouvernement, qu'on leur dise un petit peu ce qu'on pense. On évalue ceux qui veulent nous évaluer, en fait. Voilà. Donc, on a 4 items. Premier item, création d'un racisme d'État décomplexé. Très satisfaisant. Très satisfaisant, ouais. Anéantissement de la notion de classe sociale. Très satisfaisant. Très, très satisfaisant. Non, on peut pas plus. Occultation volontaire du sexisme ordinaire et systémique. Très, très satisfaisant. Falsification de la laïcité et destruction des outils d'éducation populaire. Extrêmement satisfaisant. Parfait. Suggestion d'amélioration. Arrêter de vouloir éduquer le peuple. Et faire de l'éducation populaire. L'agression. Ne bougez plus. Pas du tout.